just going home. Have a late, late show. Welcome les copains. Aujourd'hui, on est lundi. Qui dit lundi dit rattrapage de maths. Ouais. Ah, je vous pose. Je vais me dépêcher de parler super vite. Je suis coiffée vraiment bizarrement. On dirait la mère de loup dans loup, vous trouvez pas? Donc là, je vais aller à mes rattrapages cet après-midi. Et ce soir, je rentre à Rouen pour l'anime de ma soeur. Et je serai à Rouen pour toute la semaine. Je vais aussi aller à Paris. Enfin, bah, ça va être cool. Donc je vais vous emmener dans ma semaine de vacances slash rattrapage qu'on essaie de positiver. Je vous retrouve chez moi à Rouen, c'est plus du tout les rattrapages là, c'est... Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé, les rattrapages, je sais pas, genre je voulais vous filmer plein de plombs et tout, mais en fait j'ai grave oublié et j'ai pris le train hier soir pour arriver à la nif de ma soeur. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé, les rattrapages, je sais pas si ça s'est bien passé ou non, je peux pas vous dire, j'aurai mes résultats dans 3 semaines je crois. Ça s'est pas hyper bien passé, mais ça s'est mieux passé que les autres fois. Donc j'espère avoir 9, il me faut 9 pour passer. Parce que j'ai eu des meilleures notes pendant l'année, donc qui m'ont permis de remonter. Bref, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais aller manger chez mes grands-parents. Cette semaine, j'ai plein de trucs à faire. Genre, j'ai déjà beaucoup de boulot scolaire. Ensuite, j'ai pas mal de trucs. Enfin, je dois avoir tous mes potes. Non, je rigole, mais enfin, voilà quoi. Vous voyez. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai passé toute ma matinée à importer des presets Lightroom. Pour mon Insta, j'ai acheté des presets à un photographe, je vous mettrai son nom en barre d'infos. Parce qu'en fait, je me suis dit que j'avais envie de changer un peu. Enfin, je fais tout le temps les mêmes feeds et genre... bah c'est cool, enfin j'aime bien et tout, mais j'ai envie de me diversifier, de mettre des photos un peu plus, pas pro, mais un peu plus recherchées, donc voilà. Donc je vais manger chez mes grands-parents. Re-coucou les copains. Donc comment ça se passe pour moi, je vais vous faire un petit bilan, je pense que vous aurez compris. Mais donc là, hier je suis allée à Paris pour seulement une journée, voilà, parce que je suis allée voir mon pote Rémi, donc c'était trop bien. Au début on voulait filmer une vidéo mais il avait la flemme, donc un autre jour peut-être, voilà. Il faut savoir que nous avons déjà fait une vidéo ensemble, mais je ne mettrai pas le lien ici parce que je ne l'assume pas trop. Bref, c'était super cool, donc on est sorti parce qu'en fait il est en archi cette année, et donc voilà, je suis allée à son école, voilà. Franchement, si vous hésitez à faire archi, bah ça a l'air trop bien. Oh, j'ai pas pu trop m'en rendre compte, mais voilà quoi. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Du méandre au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. À la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. C'était, franchement c'était trop bien, genre même si je suis pas restée longtemps et... Ça me saoule un peu parce que j'adore Paris, mais je pouvais pas parce que ce soir, enfin cet après-midi là bientôt, j'ai un rendez-vous de médecin. Et franchement, si vous voulez m'inviter à des événements à Paris, invitez-moi. Non, je rigole, mais vraiment j'adore cette ville. J'ai pas la chance d'y vivre, mais c'est une ville que j'aime énormément. Et rien que y aller genre pour quelques heures, bah je sais pas, genre je kiffe trop. Par contre, il y avait des rats, genre story time, c'était horrible. On a pris des limes, c'était trop drôle. Mais par contre, genre vraiment, on voyait les rats et genre... On disait attention rat, et t'avais des rats, genre limite ils étaient dans mes cheveux. Non, enfin pas à ce point là, mais voilà quoi. Bref, sinon voilà, j'espère que ça vous plaît quand je mets des petites images et tout. En vrai, j'ai un peu la... Enfin là je suis en train de parler, mais je sais pas, en ce moment j'aime bien les vlogs où je parle pas trop, où je raconte moins ma vie, et où juste je mets des petites images sympas, des petits moments de vie. Donc voilà, donc ce soir je vais voir mes potes. Je vais sortir, en vrai hier soir on s'est couché à 3h donc ça va.
Là ce soir je vais sortir, on va aller manger avec mes potes, je vais prendre un verre aussi avec mes potes des scouts. Et ensuite demain j'ai un anniversaire. Ouais, j'ai pas mal de choses, comme vous avez vu le travail n'est pas au centre de mes préoccupations malheureusement. Il faut que je m'y mette, voilà. Welcome les copains. Aujourd'hui on est dimanche. Je rentre à Lille. Voilà, le train, je sais pas pourquoi il est pas là. Donc j'ai pris un BlaBlaCar. Et donc hier on était à la Nive. Donc hier j'étais à la Nive de potes, donc dont Rosmita, genre c'était un Nive groupé quoi. C'était trop cool, voilà. Donc bah ça va, c'était sympa, c'était marrant et tout, on a bien rigolé. Oui, on a fait le jeu. Alors ça c'est Rose vraiment, à chaque fois elle fait des jeux, genre tout le temps, partout, bref. Le jeu des secrets, je sais pas si vous connaissez, en gros tu fais, t'écris au début de soirée sur un post-it, c'est mieux que ce soit genre la même personne qui écrive tout parce que sinon on reconnaît les écritures. Bref, t'écris un secret sur toi, ou genre une anecdote ou un truc comme ça, et après tu placardes au mur et genre chacun doit trouver quelle anecdote correspond à qui. Donc je suis arrivée deuxième parce que je suis trop forte, mais j'aurais dû être première, mais il y a eu des cas de triche. Donc non je rigole, mais en vrai c'est vraiment super drôle parce que quand tu connais pas forcément les gens, genre ça t'oblige à parler aux gens, et surtout genre vraiment moi j'ai appris des trucs sur les gens, j'étais en mode mais what the fuck, genre trop drôle. Donc bref, je vous conseille énormément de faire ça avec vos potes ou pas. Enfin moi genre même j'ai appris des trucs que je savais pas sur mes potes proches, donc voilà. Bref, donc c'est marrant. Et ensuite moi mes vacances elles se finissent là, et par contre je pars au ski rejoindre mes parents. Je vais pas à certains cours, donc ça me fait un peu le seum, mais genre j'avais presque pas cours. Donc voilà, j'ai évalué le pour et le contre, enfin bref. Donc voilà, donc franchement je suis assez posée, je suis assez cool. Donc voilà, j'ai hâte d'être à Lille, mais en même temps j'ai pas trop hâte, enfin genre c'était cool. J'ai l'impression que c'était, que le temps il est passé hyper longtemps, hyper rapidement, genre j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs, enfin je suis allée à Paris, j'ai fait vraiment pas mal de choses, je suis pas mal sortie, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir rien fait, genre j'ai pas taffé, ça c'est embêtant. Et aussi, mon hygiène de vie ça a pas du tout, j'ai fait que sortir, j'ai fait que manger. Voilà, il y a le ventre à bière là. Donc non mais bah, je vais essayer de retrouver une bonne hygiène de vie. Bon, en partant dans 3 jours au ski ça va être compliqué, mais voilà. À plus dans le bus.